Je me suis rendu compte que depuis le début de cette année 2023, je ne vous avais pas vraiment tenu au courant sur cette chaîne YouTube de mes lectures de cette année. Pourtant, j'ai fait des lectures très chouettes. Certaines de ces lectures, en plus, qui sont des livres qui sont pas mal populaires sur les réseaux, dont vous avez sûrement déjà entendu parler et que vous aimez déjà peut-être. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser que je vous fasse enfin mon bilan de mi-année de lecture de cette année 2023. J'ai repris certaines questions du Media Book Fuckout Tag, mais pas toutes, parce qu'il y a certaines questions, j'aurais rien à répondre. Donc j'ai pioché les questions qui m'intéressaient le plus dans le Media Book Fuckout Tag, et j'ai fait un bilan de mi-année de lecture à ma sauce, comme on dit. Et si jamais il y a des livres que j'ai bien aimés, dont j'ai envie de vous parler, qui rentrent dans aucune catégorie, et bien tout simplement, je vous les citerai comme ça, sans aucune catégorie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année, tout simplement parce qu'il y a certains livres, j'ai pas grand chose à en dire. Mais si jamais vous êtes intéressé par absolument tous mes avis lecture, j'ai un Goodreads qui est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Goodreads. Et écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec la fameuse question du Media Book Tag, et que moi aussi je vais reprendre dans ce bilan. Quelle est ma meilleure lecture pour l'instant de 2023? Sans grande surprise, c'est Babel de Rebecca F. Kwang. Vous savez à quel point j'aime R.F. Kwang de tout mon cœur, à quel point elle est devenue l'une de mes autrices préférées du monde entier. Pour vous en toucher quelques mots, Babel se déroule à Oxford, à l'époque victorienne, et on va suivre un groupe d'amis, des camarades de classe, qui entrent à l'université de Babel, qui a une prestigieuse université, l'université autour de la traduction et du langage. Et au fil de l'histoire, les personnages se rendent de plus en plus compte que l'université de Babel et eux-mêmes servent l'Empire britannique, et notamment à des fins de colonisation. C'est un texte qui parle de colonisation et du pouvoir du langage, et de traduction aussi, parce que quand un texte est traduit, on perd beaucoup de choses du message original. C'est un livre qui parle de révolte aussi, qui parle de la colère du peuple, et qui parle de la nécessité de la révolte. J'ai juste dit c'est un livre qui parle de la nécessité de la révolte, et je suis devenue émue. C'est... on est sur un level où tout va bien. Je vais pas m'épancher en long et en large sur ce livre, car j'en ai fait un vlog lecture où vous pouvez voir à quel point j'étais en pleurs à la fin de ce livre. C'était un carnage. Donc je vous invite à voir ce vlog lecture si jamais vous voulez plus de détails sur mes ressentis tout au long de cette lecture. Je vous le mets dans le petit i. C'est superbement construit, les personnages sont tellement attachants, certains plus que d'autres. C'est un livre qui est empreint de colère, ça se sent que R.F. Kwang était en colère quand elle écrivait ça, et c'est un livre qui t'attrape par le col et qui en même temps est tellement, tellement touchant et tellement émouvant, et je suis passée par 10 000 phases d'émotion en lisant ce livre. Et surtout, au-delà de ça, je considère que c'est un livre qui est nécessaire, parce que c'est un livre qui parle de colère et de révolte, et qui en parle d'une très bonne manière. D'ailleurs, ça a été annoncé que Babel sort en français au mois de novembre chez De Saxus, et je pense qu'à ce moment-là, je vais faire la pub pour que tout le monde le lise. J'espère que la traduction sera vraiment à la hauteur, parce que, en plus, pour un livre qui parle de traduction, c'est quand même mieux. En tout cas, je vous encourage vivement à le lire. C'est riche, c'est brillant, c'est intelligent. Ça parle de sujets qui sont d'utilité publique, et c'est un livre qui t'attrape par le col, mais qui, en même temps, est tellement puissant et tellement beau et magnifique. Et il y a de l'espoir, en même temps, il n'y en a pas. C'est incroyable. C'est... vraiment, lisez-le. Il est temps pour moi de vous parler de ma meilleure surprise pour l'instant de cette année 2023. Et cette magnifique surprise pour moi, ça a été Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je peux vous dire qu'en le commençant, j'aurais jamais cru aimer autant ce livre. Et pourtant, autant vous dire que le premier chapitre, j'étais pas du tout convaincue. Le premier chapitre, je me suis vraiment dit « Non mais je vais pas du tout aimer ce livre ». Mais en fait, ça a été que le premier chapitre où j'ai ressenti ça. Dès le chapitre 2, je suis tombée amoureuse, et tout du long, j'ai été amoureuse de ce livre. Pour vous faire un rapide résumé, dans Red, White and Royal Blue, on suit la relation entre, alors c'est fictif, mais entre le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre. On suit leur relation, parce qu'au début, ils peuvent pas se saquer, parce que ils ont eu voilà, des petits moments d'animosité, et puis ils vont apprendre à se connaître suite à un drame. Enfin, c'est pas vraiment un drame, mais suite à quelque chose qui se passe, ils vont apprendre à se connaître. Et voilà, on va voir où leur relation
les mènent. Et c'est aussi un livre qui parle de politique dans le sens où, pendant ce temps-là, il y a la mère de Alex, donc la présidente des États-Unis, qui fait campagne pour être réélue présidente. Donc on suit ça aussi en parallèle. Ce livre, je l'aime dans toutes ses failles, parce que j'ai conscience qu'il a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais je l'aime. Ce livre, pour moi, aurait été parfait, avec plus de complexité. C'est vrai que des fois, il y avait des résolutions et des choses dites qui étaient un peu trop simplistes pour moi. Et surtout aussi, il y a quelque chose qui m'a frustrée, mais pourquoi on n'a que le point de vue d'Alex ? Ce livre avec les deux points de vue à la fois, ma tête aurait explosé tellement ça aurait été incroyable. Et aussi, ce qui m'a un peu frustrée, c'est il n'y a pas de slow burn. Et notamment, on dit beaucoup que ce livre, c'est un enemies to lovers. Moi, je trouve pas vraiment. C'est oui, c'est, l'idée du trope est là, mais ils sont ennemis pendant 2 secondes. Donc voilà, bref. Casey McQuiston a une manière d'écrire ses personnages. Ils paraissent tellement réels. Et elle les écrit vraiment dans toute leur intériorité, dans leurs défauts, leurs qualités. Et vraiment, j'ai trouvé que sa manière d'écrire, je sentais leur aura et leur présence. C'était assez impressionnant. Et j'avais vraiment l'impression d'être avec eux. La relation entre Alex et Henry, c'était pas suffisamment slow burn pour moi. Ça allait un peu trop vite pour moi. Par contre, à aucun moment, je me suis dit « Oh, mais ça va trop vite entre eux. On comprend pas pourquoi ils s'aiment. » Leur relation, elle est tellement bien amenée et bien construite parce que même si ça va un peu vite au début, après je trouve que ça prend son temps et même à un moment on stagne un peu dans le livre et dans leur relation, mais c'était tellement réaliste. De manière générale, faut pas s'attendre à des actions rebondissantes toutes les deux pages. Je trouve que c'est vraiment une plongée dans le quotidien, même s'ils ont un quotidien qui est pas le nôtre parce que c'est quand même le fils de la présidente des États-Unis et un mec qui fait partie de la monarchie anglaise. Donc voilà, on n'a pas trop le même compte en banque. De manière générale, les relations entre tous les personnages, parce qu'on suit aussi la sœur d'Alex, la meilleure amie d'Alex, leurs relations, on les ressent, c'est des relations tangibles, et surtout, ils ont une solidarité entre eux qui est tellement forte. Et surtout, c'est un livre qui parle de quête d'identité, le fait de se trouver et de trouver sa place dans ce monde, et de trouver un but et un sens à tout ça. Au final, quand tu finis le livre, les personnages se sont trouvés, mais en même temps, tu sens que ils se sont pas trouvés et ça y est, maintenant ils vont être heureux. Je trouve que ça se sent que ils ont trouvé une part d'eux, mais pas complètement tout. Et en fait, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'à chaque étape dans leur vie, ils vont se perdre, mais ils vont refinir par se trouver, et ils vont se reperdre, et ils vont se retrouver. Ça veut dire que moi aussi, comme Alex, comme Henry, comme June, comme la majorité des personnages de ce roman, je vais me perdre, mais je vais me retrouver. J'ai vu dans certaines critiques que beaucoup de personnes reprochaient le côté irréaliste du livre, le côté utopiste, parce qu'on suit des figures politiques, donc la présidence des États-Unis et la monarchie anglaise, et ce sont des figures politiques qui sont impliquées dans la vie du peuple, dans la communauté LGBTQIA+. Alors c'est surtout les enfants, les plus jeunes, qui ont cette position, et on voit à quel point ils ont de l'espoir et qu'ils veulent façonner les contours d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. Je pense qu'on peut le voir de deux manières parce que je peux totalement comprendre qu'en lisant ça, on se dise mais ça donne une image des politiques un peu trop idéalisée. C'est ça le terme que je cherchais depuis tout à l'heure en fait. Ça donne une vision idéalisée des politiques. Donc oui, ça peut avoir un revers de la médaille. Je pense que c'est important de lire ce livre en sachant que c'est pas la réalité, que c'est une image très idéalisée et très utopiste du monde politique, mais si ça peut faire du bien à certaines personnes, pendant un temps de juste se poser avec ce livre, et juste pendant le temps de lecture d'y croire, de croire qu'il y a des politiques qui peuvent s'impliquer et en avoir quelque chose à faire, si juste pendant un instant ça peut faire du bien, bah moi je trouve que ça vaut la peine d'être pris, et ça veut pas dire qu'après tu te rends pas compte de ce qui se passe politiquement dans ce monde, parce que c'est pas parce que tu aimes ce livre avec sa couverture rose que tu te rends pas compte de ce qui se passe politiquement. Faut pas prendre les gens pour des abrutis non plus. Je pense qu'on fait très bien la part des choses entre la fiction et la réalité. Moi je pense que Casey McQuiston, vraiment la personne était en mode « en fait j'en ai marre, donc je vais écrire un livre où les politiques sont impliquées ». C'est un livre surtout que j'ai trouvé tellement plus profond qu'on pourrait le croire, mais à chaque fois je vis ça avec les romances, à chaque fois j'ai peut-être des clichés sur les romances qui font encore que je bataille. Faut vraiment que j'arrête d'avoir cette image comme quoi les romances c'est léger sans plus, parce qu'à chaque fois que je lis des romances c'est très profond au final. Et Rabbit and Royal Blue, il y a des scènes qui sont
hyper profonde. C'est un livre qui parle quand même d'un monde et d'une société qui sont très homophobes et de comment trouver sa place en tant que personne gay et en tant que personne bisexuelle dans cette société. Donc il y a des passages très forts par rapport à ça, aussi bien positivement que négativement. C'est aussi un livre qui parle de deuil. Il y a plusieurs scènes de deuil, notamment je pense qu'une de mes scènes préférées du livre, c'est une scène autour du deuil. C'est un dialogue qui m'a dévastée, enfin qui m'a beaucoup trop touchée, et je m'attendais pas à lire ça dans ce livre. Il y a plein de scènes comme ça de réflexion sur soi, sur le monde. Alors oui, des fois c'est pas suffisamment poussé, notamment les moments où ça parle de politique. C'est sûr que ça reste assez simpliste, et comme je vous le disais, c'est vrai que ce livre avec plus de complexité aurait été vraiment parfait, incroyable. C'est un livre qui est beau, qui est touchant, qui fait du bien, qui a des côtés légers mais aussi des côtés beaucoup plus sombres et beaucoup plus profonds. Et à côté de tout ça, c'est aussi un livre qui a des scènes tout simplement où des personnages partent en vacances au Texas, au bord d'un lac. Il y a des scènes où les personnages s'envoient des mails. Il y a des scènes dans un karaoké, des scènes de danse, des scènes de fête. Et c'est vraiment la vie, ce livre, une vie un peu utopiste, un peu idéalisée certes, mais une vie quand même. En tout cas, j'ai on ne peut plus hâte de voir le film qui sort le 11 août. J'ai vu le trailer et vraiment le trailer pour l'instant, ça a l'air de tellement ressembler au livre et voilà, j'espère que ce film va pas me décevoir parce que j'en attends beaucoup tellement j'ai aimé ce livre. J'ai aussi une très bonne surprise en ce début d'année 2023. Je vous mets la couverture là parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et que j'ai rendu depuis. C'est Le photographe de Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier. En début d'année, j'ai discuté avec une connaissance et je lui parlais du roman que j'ai écrit qui parle de guerre, entre autres, mais la guerre a une certaine place dans ce livre. Et cette connaissance m'a parlé d'une trilogie de 3 BD qui s'appelle Le photographe. Dans les années 80, Didier Lefèvre, qui était photographe, a suivi un groupe de personnes de Médecins Sans Frontières qui sont allées jusqu'en Afghanistan. Ils ont passé les frontières pour aller jusqu'en Afghanistan pour prodiguer des soins. Et donc c'était pendant la guerre en Afghanistan. Et Didier Lefèvre, lui, il a photographié tout le périple et tout ce qui s'est passé là-bas. Alors déjà, moi, ce qui m'a scotché sur place, c'est que j'ai jamais vu ça. C'est une BD qui mêle à la fois planche de dessin et photographie. On a vraiment un point de vue d'ensemble sur ce périple, parce qu'on voit à la fois les dessins, l'histoire racontée au travers des dessins, donc on voit les dialogues entre les personnages, et à côté on voit les photographies qu'a pris Didier Lefèvre qui apporte vraiment cet impact et cette réalité en fait, parce que tout ce qui s'est passé dans cette BD est réel. De manière générale, j'ai trouvé qu'elle était parfaitement dosée, autant le dessin, photographie, mais aussi c'était intéressant et en même temps c'était touchant, c'était triste et beau à la fois. C'est une BD qui nous montre réellement l'impact de la guerre et la réalité de l'horreur de la guerre sur le peuple. Et en même temps, on nous montre l'Afghanistan et on les voit dans les montagnes en Afghanistan. Et on nous montre vraiment la beauté de ce pays qui est pourtant ravagé par la guerre. Et c'était plein d'émotions à la fois. Et j'ai trouvé que tout était parfaitement bien dosé. Et par exemple, une fois de temps en temps, les personnages, en discutant entre eux, ils se font des blagues. Mais c'est pas lourd, c'est pas trop, parce que bah, voilà, ça parle quand même de sujets très durs et d'utilité publique. Mais quand il y a des blagues, tu vois, c'est pas trop, c'est un petit rire léger et après on passe à la suite. C'est ce genre d'œuvre que tout le monde pourrait lire parce que c'est très accessible. Didier Lefèvre, il utilise des mots vraiment très très simples qui font que tu apprends plein de choses sur la guerre en Afghanistan à cette époque-là. Et surtout, c'était quoi la réalité de ce périple? Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il marchait nuit et jour dans les montagnes en Afghanistan pour rejoindre l'endroit où il voulait arriver, parce qu'il passait de village en village et il fallait pas qu'il se fasse voir par l'armée. Et donc il y a certaines heures où ça va, il pouvait marcher j'allais dire tranquillement, pas vraiment, mais il pouvait marcher, et il y a d'autres fois où il devait plus se cacher, et on nous parle vraiment de la réalité, de comment c'était, et c'est hyper intéressant, je trouve, de lire ça. Je voulais vraiment vous parler de cette BD dans cette vidéo, parce que je l'ai vue nulle part. Moi, vraiment, si cette connaissance m'en avait pas parlé, j'en aurais jamais entendu parler, alors que ça a été vraiment une excellente lecture, et j'ai très très hâte de lire les deux prochains tomes. Il est maintenant temps pour moi d'aborder la question qui fâche. Mes déceptions de cette première moitié de l'année 2023, eh bien sachez que pour l'instant, je touche du bois, il y en a où là peut-être,
Ouais, bon, par là, il y en a. Pour l'instant, en cette première moitié d'année 2023, je n'ai pas eu de grosse déception qui m'a mise en colère ou quoi que ce soit. Alors que d'habitude, je suis abonnée à ce genre de déception. Et là, pour l'instant, soit j'ai des petites déceptions, mais ça va. Ou alors, les grosses déceptions que j'ai, c'est des livres pour lesquels j'attendais pas grand-chose. Donc au final, ça fait que pour l'instant, en 2023, j'ai pas été vraiment déçue par des livres. Donc au lieu de vous citer une grande déception, je vais plutôt vous en citer quelques petites. Ma première déception de cette année 2023, j'ai peur que vous vous mettiez à crier devant votre écran, mais vous inquiétez pas, je vais très vite vous expliquer, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Alors, je tiens très vite à dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Les messages que Mary Shelley apporte dans ce livre sont tellement forts. La question de l'apparence, de l'obsession de la connaissance, de au final qui est le véritable monstre, de la colère qui est provoquée par le rejet. Il y a plein, moult messages. Mais je dois avouer quand même que j'ai été un peu déçue, mais là je dis pas du tout que c'est le texte qui est en cause, je pense que c'est juste moi, c'est pas toi, c'est moi. C'est vraiment juste moi et mes goûts et ce que je prends plaisir à lire. Parce que le fil rouge du récit, c'est des histoires de meurtre et de vengeance. Et moi, ça m'a plombé toute ma lecture. Je prenais pas plaisir à lire à cause de ça. Alors que les messages, l'écriture, tout ça, j'ai adoré, c'était génial. Il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées, mais oh, les histoires de vengeance, de meurtre, de « oh, je vais te tuer pour me venger, pour venger toi, je vais tuer telle personne », moi, je pouvais pas, en fait, ça me mettait dans un état qui était pas agréable. Après, je pense aussi que c'est le but de Mary Shelley, hein, de mettre pas très à l'aise, etc. Mais moi, ça fait que c'était pas dans mes cordes et pas dans ce que j'aime lire et ce que je prends plaisir à lire. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue, mais déçue parce que je pensais vraiment que j'aurais été ébahie par ce que j'ai lu et que j'aurais adoré. Et au final, pour ces histoires de meurtre, tout ça, bah, j'ai pas autant aimé que j'aurais aimé. Et d'ailleurs, j'ai fait un vlog lecture de ce livre tout au long de ma lecture. Et il faudrait que je vous le sorte parce que si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis plus en profondeur sur ce livre, mais je pense que c'est un livre que j'aurais plus aimé quand j'étais ado. Parce que étant ado, j'aimais plus ces atmosphères sombres, tout ça. Moi maintenant, c'est. Je peux plus. Je pense qu'en tant qu'adolescent, on peut beaucoup s'identifier à la créature. Au monstre de Frankenstein, on peut beaucoup s'identifier parce que il y a cette notion de ah, je suis trop laid pour me faire accepter dans la société et mes parents me rejettent. Ça, moi en tant qu'ado, j'aurais lu ce livre, je me serais reconnue dans ce livre. J'ai peut-être pas lu au bon moment malheureusement, mais en tout cas je vous le conseille. Et vraiment, je pense à étudier. Vraiment, si vous êtes prof et que vous regardez cette vidéo, vraiment ce livre à étudier. Je pense que les ados peuvent vraiment s'identifier à ce livre et que ça peut-être leur faire du bien et être une forme de catharsis, donc je conseille ce livre. J'avais oublié que j'avais eu quand même une assez grosse déception en cette première moitié d'année 2023, mais c'est un livre où quand je l'ai commencé je m'attendais pas non plus à grand chose, donc au final ça l'a fait, mais c'est quand même une déception qui m'a mise en colère. J'ai pas lu en entier, mais j'ai lu la moitié de Et toujours les forêts de Sandrine Collette. On suit l'histoire de Corentin et de sa grand-mère qu'il a recueilli quand il était plus jeune. Un jour, il y a la fin du monde, tout explose, tout crame en fait. Je crois que c'est plutôt, Sandrine Collette décrit ça comme un vent qui vient tout cramer en fait sur Terre. Dans la première moitié du livre, on suit le périple de Corentin qui essaye de retourner chez sa grand-mère. On suit vraiment cette survie sur cette terre brûlée, ses réflexions par rapport à l'avant, ses réflexions sur l'après, sur l'avenir. J'ai été assez happée et assez touchée par cette première moitié. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Corentin. J'ai aimé le suivre, j'ai aimé son intériorité, j'ai aimé le voir avancer malgré tout. Et malheureusement, la deuxième moitié est arrivée et j'ai abandonné. Corentin parvient à retourner à la maison de sa grand-mère et donc à retrouver sa grand-mère. Et chez sa grand-mère, il y a une jeune femme qui était, quand Corentin était petit, sa voisine et il était un peu amoureux d'elle. Et elle a perdu sa maison, sa famille pendant la fin du monde. Donc elle a été recueillie et elle vit pour aider la grand-mère. Donc quand Corentin arrive, il vit avec cette jeune femme qui s'appelle Mathilde et avec sa grand-mère. Et moi je me suis dit, oh, ça va être un récit tout mignon qui va montrer qu'il tombe amoureux et donc que la vie renaît parmi les cendres. Voilà, j'ai un côté un petit peu romantique, un petit peu utopiste, comme ça, moi je suis pleine d'espoir, je suis pleine d'optimisme. Et tout ça n'empêche pas, bien sûr, de montrer les traumatismes, parce que c'est très traumatisant ce qu'ils ont vécu, de montrer que,
que voilà, qu'ils perdent espoir, qu'il y a de moins en moins de nourriture, de montrer les moments compliqués. Je ne compte pas m'épancher sur le sujet parce que c'est un gros trigger warning et que je n'ai pas, j'ai pas envie de toute façon de m'épancher sur le sujet. Mais en fait, dans ce livre, il y a des viols. Je comprends pas pourquoi l'autrice est partie dans cette voie-là, mais moi vraiment ça m'a abattue. En gros, moi qui m'attendais à ce que Corentin et Mathilde tombent amoureux et que tout se passe bien, c'est pas ça qui se passe. Moi vraiment j'étais attachée à ce gars et c'est ça qui me poussait à lire le livre parce que j'étais attachée à lui, je voulais voir comment ça, son histoire continuait. Et en fait quand il revient chez sa grand-mère, tous ses traumatismes lui retombent dessus, tout ce qu'il a vécu, la faim, tous ses côtés sombres lui retombent dessus. Et ce qui fait que peu à peu il perd son humanité. Et donc pour nous illustrer cette humanité qui se fait la malle, eh bien l'autrice a choisi de mettre Corentin en tant que violeur. Alors déjà moi ça m'a... Tu peux montrer qu'un personnage perd son humanité et est traumatisé sans passer par là. Enfin tu peux le montrer autrement, je pense. Et surtout il y a des phrases très dérangeantes qui sont écrites à ces moments-là. Moi je suis pas allée plus loin parce que vraiment je me suis dit je ne peux pas en fait. Je peux pas aimer un personnage et d'un coup le voir devenir comme ça, moi c'est au-dessus de mes forces, je peux pas, j'ai pas envie en fait. Il y a des phrases qui sont écrites du type « toute façon c'est un homme avec une femme donc c'est un peu obligé que ça arrive ». Pardon mais... comment tu peux écrire ça dans un livre? Enfin moi vraiment ça m'a vraiment profondément choquée. Donc après avoir abandonné le livre, je suis allée sur Goodreads voir les avis sur la fin, je me suis dit tant pis, je me fais spoiler, et de ce que j'ai lu, ça continuait pas mieux quoi, ça continuait un peu dans... Non voilà, dans la misogynie et plein de choses comme ça que j'ai pas du tout envie de lire. J'ai été très déçue et très en colère par ce livre, par où c'est parti, je comprends sincèrement pas pourquoi l'autrice a écrit ça comme ça. J'entendais beaucoup de bien cette autrice et en plus je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Donc j'ai envie de m'intéresser à ses autres livres, mais en même temps, j'ai lu ça et vraiment ça m'a... J'ai pas envie de lire ça dans un autre livre. Donc je vais essayer de me renseigner avant de me pencher sur ce qu'elle a fait d'autre. Mais voilà, je suis peut-être pas tombée sur le meilleur d'elle à ce moment-là. Peut-être que si j'en avais lu un autre, j'aurais absolument adoré et voilà. Mais en tout cas, ce livre-là, il faut savoir qu'il y a ça qui se passe. Et moi, ça m'a vraiment profondément choquée. Bon, maintenant, on va changer de sujet. Je vais vous parler d'une autre petite déception. Et j'avais trop hâte de vous en parler. Vraiment, les amis, il faut qu'on parle de ce livre. Vous allez peut-être crier de le voir là, déception. Mais laissez-moi m'expliquer. Ce livre, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, donc les sept maris d'Evelyn Hugo. Oui, j'ai enfin lu ce livre et il fait partie de ces livres que j'ai lus et dont je ne vous ai pas du tout parlé sur ma chaîne. Personne n'était au courant que je l'ai lu. Je ressens quelque chose pour ce livre que je n'arrive pas du tout à définir. Parce qu'il y a une partie de moi qui a beaucoup aimé et il y a une autre partie de moi qui est un peu plus dubitative. Et de manière générale, c'est pas un livre qui m'a marqué ou laissé un effet incroyable. Je me rends compte, maintenant que ça fait quelques mois que je l'ai terminé déjà, que la seule chose qui m'a vraiment marqué et touché dans ce livre, c'est la relation entre Evelyn et Harry. J'abuse un petit peu, j'ai quand même été assez touchée de manière générale par la vie d'Evelyn. J'ai aimé lire cette vie en entier tout au long du récit. J'ai dévoré ce livre et il y a des aspects, des scènes de la vie d'Evelyn que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup touchée. En fait, ce qui m'a déçue dans ce livre, j'ose pas trop le dire parce que, voilà, ça reste mon avis à moi. J'ai été très déçue par l'écriture de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu Des Idiots and the Six que j'ai absolument adoré. Mais au final, quand on y pense, dans Des Idiots and the Six, on voit pas la prose de Taylor Jenkins Reid, étant donné que c'est sous forme d'interview. Là, dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo, on voit la prose de Taylor Jenkins Reid et ça m'a énormément déçue. Son écriture n'était pas aussi belle que je l'aurais cru. J'établis notamment une différence entre les chapitres du point de vue de Monique et les chapitres où on suit l'histoire d'Evelyn du point de vue d'Evelyn. Les chapitres du point de vue de Monique, j'ai cru que c'était du premier jet. Je peux pas expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression de lire un truc qui n'avait pas été retravaillé, qui n'avait pas été relu par des éditeurs et plein de gens. Ces chapitres-là, à chaque fois que je les lisais, j'étais totalement sortie de l'histoire. En plus, bon voilà, il y a un aspect qui a dérangé beaucoup de personnes sur la fin de l'histoire, qui est dans les chapitres de Monique,
Voilà, je vais pas en dire plus parce que ça spoil, mais bon, ça a pas participé au fait que j'aime plus les chats de Monique, c'est sûr. Donc déjà, on partait pas très bien. Et aussi, de manière générale dans le test, et là je vise autant les chapitres d'Evelyn que les chapitres du point de vue de Monique, c'est que Taylor Jenkins-Reid, elle connaît pas la règle du show dont elle. Il y a aucune subtilité. Alors aussi, je tiens à dire que ce qui a peut-être joué, c'est que pendant que je lisais ce livre, j'étais en pleine phase de réécriture de mon roman, mais tout au long du livre, il y avait plein de phrases, je me disais, mais ça, l'éditeur aurait dû supprimer cette phrase. Par exemple, dès qu'Evelyn disait ce qu'elle ressentait, elle disait « parce que si, parce que ça ». Et ça faisait que le rythme, il était alourdi, et c'était pas tout le temps, mais il y a des fois comme ça, par exemple, je pense... Ah purée, par contre, je vais pas la retrouver. Mais je me souviens, à un moment, il y a une fin de chapitre, l'avant-dernière phrase était hyper forte, si le chapitre s'était terminé là, c'était trop fort, mais forcément, l'autrice a rajouté une phrase derrière qui explique pourquoi la phrase d'avant est là. Et donc, bah, je trouve que ça retombe comme un soufflet. Et aussi, le problème que j'ai rencontré dans ce livre, c'est que j'ai trouvé que les personnages n'avaient aucune évolution. Alors, c'est vrai que quand tu prends le début du livre et la fin du livre, oui, on voit que les personnages ont évolué. Mais par exemple, Evelyn et Célia, au début du livre, elles ont 18-20 ans. Donc voilà, ok. Sauf qu'en fait, tout au long du livre, j'avais l'impression qu'elles avaient toujours 18-20 ans. Tellement leurs discussions, leurs pensées n'évoluaient pas du tout. Alors que le livre, il se passe quand même sur énormément d'années. Je crois même jusqu'à ce que Evelyn et Célia aient genre 60 ans. Elles vieillissent, elles mûrissent. Et j'avais l'impression que tout au long du livre, elles avaient 20 ans. Tellement elles avaient des pensées qui étaient immatures. Ou du moins pas cohérentes avec des jeunes femmes de 30, 40, 50 ans. Et notamment, ce qui m'a vraiment désolée, c'est que je me suis pas du tout attachée à Célia, que j'ai trouvée très immature, et à chaque fois ses réactions, je ne comprenais pas, je n'ai pas du tout accroché avec ce personnage. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé Célia. C'est pour ça que ce livre, c'est une petite déception, parce que j'ai passé un super moment en lisant ce livre, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé la plongée dans l'univers d'Hollywood, même si j'ai trouvé quand même que ça aurait pu être plus approfondi. J'ai quand même aimé cette plongée-là. L'histoire d'Evelyn, elle est quand même très intéressante à suivre. C'est un livre qui est très addictif de toute manière et c'est touchant. Il y a des scènes tristes et touchantes. C'est pour ça que j'ai un avis qui est très mitigé sur ce livre. À la fois, j'ai trop aimé et en même temps, j'étais tellement déçue par l'écriture et par les personnages et par l'évolution des personnages et par certains aspects, alors qu'il y a des scènes que j'ai adorées. Enfin, c'est très flou dans ma tête. J'avais aussi envie de faire la fameuse question du Media Book Fuck Out Tag sur quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer. Il y a zéro surprise, le livre qui m'a fait le plus pleurer cette année, pour l'instant, c'est Babel de R.F. Kang. Et si vous voulez voir le désastre que j'étais, le mess, le chaos que j'étais, je vous invite à voir le vlog que j'ai fait sur ce livre. J'étais dévastée par ce livre. Voilà. Si vous voulez vous faire briser le cœur, bah, lisez Babel. Et aussi, l'autre livre qui m'a fait échapper une larme, c'est Des Idiots and the Six. J'ai trouvé aucune catégorie où le mettre dans cette vidéo, mais il fallait qu'il apparaisse à un moment parce que c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année 2023. Je pense même que pour l'instant, il est en deuxième place après Babel. Après, il faut peut-être que je réfléchisse parce qu'il y a Ray White and Royal Blue aussi et d'autres livres que j'ai lus que j'ai beaucoup aimé, mais Des Idiots and the Six, il a une place très 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 haute dans mon classement. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog lecture également que je vous mets dans le petit i si jamais vous avez envie de savoir plus en détail mon avis sur ce livre, parce que là, voilà, si je commence à m'épancher sur chaque livre, on en a pour 4h30. J'avais des émotions tout au long de ma lecture, mais j'avais réussi à ne pas pleurer, et la dernière page, j'ai lâché des larmes. C'est le moment où je n'ai plus de catégorie, mais que j'ai quand même envie de vous citer quelques livres que j'ai lus cette année et que j'ai bien aimés. Notamment, depuis le temps, j'ai enfin lu In Waves de Eiji Dungo, que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est une bande dessinée qui se divise en deux parties, qui ont chacune une couleur. À la fois, Eiji Dungo revient sur l'histoire du surf, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, c'était très enrichissant. Je connaissais rien au surf et maintenant je sais plein de choses grâce à cette bande dessinée. Et en même temps, en parallèle, Eiji Dungo revient sur la vie et l'histoire de sa petite amie qui est décédée d'un cancer. Il revient sur leur relation à tous les deux, sur leur amour commun pour le surf, parce que c'est elle qui l'a introduit au surf, et il parle aussi de sa maladie et de son deuil. Le mot vague, il est vraiment très représentatif pour parler de ce livre, et dans le livre d'ailleurs, parce que vague forcément par rapport au surf, mais la vague c'est aussi le deuil, c'est qu'on se prend comme une vague, et en fait faut surfer la vague, et faut avancer. Et je trouve aussi que nous, en tant que lecteurs, on ressent ce livre comme une vague, on se la prend comme ça de plein fouet, et en même temps c'est beau,
C'est beau à voir, c'est touchant, c'est plein d'émotions, c'est une valse d'émotions. Et en même temps, c'est quand même un coup quoi, dans la poitrine et partout dans le corps de lire ce livre. Cette première moitié d'année, j'ai également lu Juste la fin du monde, la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce. Ça fait depuis des années que je veux lire cette pièce de théâtre. Tout simplement, je dois l'avouer, parce que Xavier Dolan en a fait un film que j'adore. J'adore Xavier Dolan, qui est mon réalisateur préféré. C'est vous dire si je souffre en ce moment, parce qu'il a annoncé qu'il voulait arrêter le cinéma. Mais bon, voilà, ça reste mon réalisateur préféré pour la vie. Et j'adore le film de Juste la fin du monde, que j'ai vu un nombre incommensurable de fois. Et j'ai un avis sur la pièce de théâtre qui est très mitigé, mais le mot mitigé est pas très représentatif. Je suis vraiment dans un flou artistique. C'est une pièce de théâtre qui est connue pour être un petit peu pénible à lire, du moins au début. C'est vrai qu'il faut s'accrocher au texte, parce que le texte, le langage est très répétitif, se casse comme ça, c'est très frustrant à lire. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal avec ce style d'écriture, il a fallu que je m'accroche. Et puis au final, je me suis laissée emporter par ce style d'écriture. Et au final, je trouve que ce style d'écriture, il fait la force de cette pièce de théâtre, tout simplement parce qu'il représente le propos de la pièce de théâtre, qui est tout simplement de parler de la difficulté de s'exprimer, de la difficulté du langage, et surtout du langage qui change quand on passe d'une classe sociale à une autre, et du fait qu'on a du mal à communiquer, et que même si on a beau s'aimer les uns avec les autres, on a tous notre propre forme de langage, notre propre manière de parler, on a tous du mal à se faire comprendre, et puis surtout s'exprimer, oser dire nos émotions. On a tous du mal à le faire, enfin tous plus ou moins du mal à le faire, et donc c'est ce langage qui se répète, qui se casse, c'est pour montrer ça aussi, cette difficulté à s'exprimer. Autant il y a des scènes qui sont magnifiques, et des phrases qui sont vraiment, c'est magique, c'est magnifique, autant j'ai été un petit peu déçue, je pense, par certaines scènes, parce que je trouve que c'est pas toujours très bien approfondi et très bien exploré. J'étais frustrée à la fin. Bon, après, c'est aussi ce qu'il voulait. Je pense que Jean-Luc Lagarce, il voulait qu'on soit frustrée. Mais moi, j'étais surtout frustrée parce que j'ai trouvé qu'on aurait pu beaucoup plus approfondir les sujets et les thèmes et les scènes, tout simplement. J'ai pas étudié le livre, et je pense que si j'étudiais ce livre, ou que je le relisais encore et encore, je pense d'ailleurs que c'est peut-être bien de lire ce livre plusieurs fois, au moins deux, parce que je pense que c'est comme le film de Xavier Dolan. Moi, je l'ai vu plein de fois, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai enregistré les informations, mais j'arrivais pas à savoir si j'avais aimé ou pas. Et c'est en le revoyant que je me suis dit, ouais, mais c'est un chef-d'œuvre en fait. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, ah mais là, ce thème, cette scène, si seulement ça avait pu durer deux pages de plus. J'ai eu cette frustration-là qui fait que ce livre, au final, j'ai aimé, et en même temps, il y a des choses qui me frustrent et qui font que j'ai pas aimé à 100%, mais je suis quand même ravie de l'avoir enfin lu. Et surtout, voir le film de Xavier Dolan m'a aidée à m'accrocher à cette pièce de théâtre, parce que je savais directement qui était qui. Parce que je pense que si tu commences la pièce de théâtre comme ça, sans savoir qui est qui, je pense que tu peux être un peu perdu au niveau des noms, tout ça. Moi, forcément, je savais déjà le contexte, je savais déjà les personnages, donc ça m'a permis quand même de rendre la pièce de théâtre plus accessible. Et surtout, ce que je pense, c'est que Xavier Dolan a vraiment sublimé l'histoire de cette pièce de théâtre au travers de son film. Et justement, lire la pièce de théâtre m'a fait encore plus aimer le film, parce que je me suis rendu compte du travail que Xavier Dolan avait fait pour rendre cette pièce de théâtre accessible. Et surtout, il a rajouté des scènes qui permettent de plus explorer les personnages. Je pense que je ne me rendais pas compte d'à quel point il avait bossé son film avant de lire la pièce, et maintenant que je l'ai lu, je me suis dit, ouais, mais il a pris ça et pour faire cette œuvre qui est vraiment sublime. Et je trouve qu'il rend hommage à l'œuvre tout en rajoutant des scènes et en sublimant le tout. Et voilà, cette vidéo est une dédicace à Xavier Dolan, et voilà, un discours d'amour infini envers cette personne. J'ai aussi enfin lu Médée de Jean Anouilh, et ceci est une dédicace à Mathilde de la chaîne Les Lettres de Rennes, parce que c'est elle qui m'a, au travers de ce qu'elle disait, au travers de ces discours dithyrambiques sur cette pièce de théâtre, qui m'a poussée à enfin sortir ce livre de ma palle. Je suis loin d'être originale, mais l'Antigone d'Anouilh, c'est une œuvre qui m'a construite quand je l'ai lue à 14 ans, plus jeune, je sais plus, j'étais au collège. Ça a changé ma vie et ça reste l'une de mes œuvres préférées sur cette planète Terre. Donc il était temps que je lise une autre œuvre d'Anouilh, parce que le mec écrit trop bien. J'ai trouvé que la fin était hyper abrupte. La fin, elle arrive vraiment d'un coup et hop, il se passe ça et puis c'est terminé. J'étais un peu
ça m'a un petit peu déstabilisée. Et aussi, je trouvais que de manière générale, ça tournait un petit peu en rond. Et ça n'empêche pas que c'est magnifique et qu'il y a des réflexions qui sont faites. Vraiment, Jean Anouilh, his mind, vraiment, il est incroyable. Mais des fois, j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond et qu'il se répétait un petit peu. Mais sinon, à part ça, c'est tout ce que j'aime. La puissance des phrases de Jean Anouilh, la colère de cette femme, l'éloge de la colère et de la féminité comme ça qui sont mises en avant, c'était sublime. Et en fait je me dis qu'il faut vraiment que je lise toutes les pièces de théâtre de Jean Anouilh parce que vraiment cet homme. Et aussi je me suis fait la réflexion que Jason, s'il vivait en 2023, il dirait clairement mon ex folle, vous voyez le genre. Et maintenant est venu pour moi le moment de vous révéler enfin les livres que je compte lire pour la deuxième moitié de cette année. Quels sont les livres qui vont possiblement se retrouver dans mon panthéon de mes meilleures lectures de cette année 2023. À vivre avec d'Alice Pozière figure dans cette liste des livres que je vais lire dans cette deuxième moitié de l'année 2023, tout simplement parce que je l'ai déjà commencé, c'est ma lecture du moment. Dans ce livre, on suit trois adolescents qui font leur rentrée à l'université et donc leur grande rentrée dans la vie d'adulte. Et ce sont trois personnages qui sont abîmés par la vie, qui ont chacun leur lot de traumatismes et ensemble, ils vont apprendre à avancer et à vivre avec. Voilà, c'est un livre superbe qui parle de l'entrée dans le monde des adultes et qui parle de santé mentale. Cette année, cet été surtout, je compte enfin lire L'année prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai l'impression que je l'ai mis dans plein de vidéos pile à lire de l'été et tout ça. Ça fait des années qu'il me donne envie, donc vraiment j'ai plus aucune excuse. On va suivre deux filles en Italie qui vivent dans un quartier pauvre et l'une va devenir transfuge de classe, elle va s'élever et changer de classe sociale. Il y en a une qui ira au collège et au lycée pendant que l'autre abandonne l'école et doit travailler dans les shops de cordonnier de son père. Vous me connaissez, c'est le genre de sujet, voilà, j'ai envie de le lire. On va suivre cette amitié avec ce contexte de différence de classe sociale et de fossé entre les deux classes sociales et de transfuge de classe. Ça me donne trop envie. Évidemment, vous le sentez venir, cette année, je veux lire Yellow Face de Rev Kwang, qui est le tout nouveau livre de Rebecca F. Kwang. Et en plus, c'est un livre qui s'inscrit dans un genre totalement différent de ce qu'elle a écrit auparavant. Rev Kwang, elle a écrit de la fantasy, puis elle a écrit une Dark Academia. Et là, elle écrit une satire contemporaine qui parle de racisme dans le milieu de l'édition. J'ai trop hâte de le lire, surtout que je l'ai dans cette magnifique édition. Je l'aime, il trône fièrement sur mon bureau parce que je l'aime et que je veux le voir tous les jours de ma vie. Cette année aussi, il faut vraiment, absolument que je lise Hamnet de Maggie O'Farrell. Pareil, c'est un livre qui me donne envie depuis très 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 longtemps et que je repousse parce que c'est un livre que je veux lire en automne. Je peux pas vous dire, je correspond des saisons à des livres et ce livre, je sais pas pourquoi, mais pour moi il a une vibe d'automne. Sauf que l'automne dernier, j'ai pas pu le lire. Donc on croise les doigts pour que cet automne 2023, ça le fasse et que je lise enfin Hamnet. Mais je pense que ça va le faire parce que ça va être ma priorité. On suit la famille de Shakespeare et même mieux que ça, je crois que Shakespeare, il est même pas trop cité. Il est là, dans l'ombre, mais je crois qu'il apparaît même pas vraiment dans ce livre. On suit plutôt la femme de Shakespeare, Agnès, et surtout ses enfants, dont notamment Hamnet, qui a inspiré la pièce de théâtre Hamlet. Cette année, j'aimerais aussi beaucoup lire Home de Toni Morrison, qui est un livre qui parle de racisme et aussi de traumatisme lié à la guerre et qui parle d'un vétéran qui rentre aux États-Unis, enfin en Amérique, c'est pas précisé. Oui, il rentre en Amérique après la guerre et donc avec tout son PTSD, son stress post-traumatique et tous ses traumatismes. Et voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai écrit un livre sur les traumatismes, mais notamment de traumatismes liés à la guerre. Donc ce livre me fait beaucoup envie et surtout Toni Morrison, c'est une autrice qu'il faut que je lise depuis beaucoup trop longtemps. Ça craint que je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, cet été, surtout qu'il est court, donc cet été, il va y passer. Je vous cite encore des livres que je veux lire depuis de trop nombreuses années, ça commence à craindre, mais là, c'est décidé en 2023, je les lis. J'ai très envie de lire On Earth We Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Voilà, je sais même plus quoi dire, tellement j'ai envie de lire ce livre. Déjà ce titre, la beauté de ce titre, je pense que c'est le plus beau titre de livre que j'ai entendu de ma vie. Ce livre, c'est une lettre qu'Ocean Vuong adresse à sa mère, et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça a l'air juste magnifique, tout le monde prône l'écriture d'Ocean Vuong qui est poétique et magnifique et mélancolique apparemment. C'est sûr que cet été, il va y passer aussi. Et aussi cette année, c'est l'année où je me mets enfin à James Baldwin.
que j'ai envie de lire depuis très longtemps, au point où je cite James Baldwin dans mon roman. Dans mon roman, mes personnages lisent James Baldwin, et je ne l'ai pas encore lu, c'est vraiment la honte. J'ai envie de lire tous les livres de James Baldwin, mais le premier que j'ai pris, c'est Giovanni's Room, parce que j'ai l'impression que c'est une bonne entrée en matière pour commencer à lire James Baldwin. Je ne sais pas grand-chose sur ce livre, à part qu'on va suivre l'histoire entre deux hommes qui se rencontrent, et on va suivre leurs relations, et leurs discussions, et leurs réflexions, et c'est un livre qui me paraît important de lire. James Baldwin, c'est quelqu'un qui est très important de lire. Et voilà, je suis très contente de me dire que je vais enfin découvrir cette personne cette année. Ça y est, j'en ai terminé. Ça m'a fait trop plaisir de revenir en vidéo sur ces livres que j'ai lus en ce début d'année, en cette première moitié d'année 2023. Ça faisait trop longtemps que je m'étais pas posée devant ma caméra, devant vous, pour vous parler de mes dernières lectures, pour vous faire un petit update lecture, et ça me manque beaucoup en fait de parler lecture, donc j'espère que là, les livres que je vais lire prochainement, je prendrai le temps de vous les chroniquer sur cette chaîne. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, et surtout, n'oubliez pas de commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai cités. Et d'ailleurs, si jamais j'ai dit un avis sur un livre et vous n'êtes pas du tout d'accord, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous avez lu un des livres que je vous ai présentés et que je compte lire là en cette deuxième moitié d'année, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous n'avez strictement rien à dire sur ces livres, vous pouvez mettre un emoji, pourquoi pas un emoji de fleurs, peu importe, l'emoji de fleurs que vous préférez. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.